Les amis, se rêve de vous sur Beyond Two Souls. J'espère qu'il ne vous plaira. Bonne vidéo. Je ne connais pas. Eh ben, en vrai de vrai, ça me donne envie. Ah, ça a coupé tout seul. Ça faisait... Ouais, je vais animer. Ok, je peux sortir. Putain, c'est dur à contrôler le personnage. Arrête mon cœur, je dois préparer le dîner. Et oui, je sais même pas ce que je veux. Bon, ça c'est une phrase de maman, ça. Oh, c'est pas un gâteau qui... Alors là, celle de bain, qu'avons-nous là? Oh, sa mère. C'est quoi ça? Faut que je regarde la rediff après. Après la vidéo, faut que je regarde. Faut que je regarde le ralenti à la tronche. On aura dit une tête de mort avec la bouche rouge un peu moulée. Jody, chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. Putain, elle aide, la daronne. Ça, c'est notre chambre, je pense. Oui, bah oui, oui, c'est une évidence. Elle a bien les cercles. J'aime pas, y'a pas de bruit. Bien. Ah, bonjour madame la fée. Ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé? Non. Oh oui, j'en serais ravie. Super, dans ce cas, on n'a qu'à prendre ma voiture. Oh, j'adore votre voiture.
Oui, c'est moi qui l'ai choisie et même qu'elle va vraiment super vite. Attends, je vais rentrer en train de regarder des... Non, je vais arrêter, je peux pas arrêter en plus. Quelle maison vous avez ? Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Super, on s'en fout, vas-y. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, madame la fille ? Oh, non merci. Peut-être que ça s'arrête. Comment va votre mari ? Ça va, il travaille en ce moment. Vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Fait un peu peur, Aiden. Hein. Il est bizarre, Aiden. Pas quoi dans ce jeu là. Putain. Ah. Allô ? Salut, comment vas-tu ? Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bien. Ça va être croché, c'est sûr. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Aiden, arrête ça ! Hold down. S'il te plaît, Jody, je suis occupé. Putain, la gueule du bureau. Ah, c'est la chambre des parents. Putain, système de caméra là. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais sors, mais... Jody? Tu m'as rapporté l'huile? J'arrive! Bonjour. Non, Aiden. Maman va se mettre en colère si on joue avec ses affaires. Bon, ok, allez, on va aller au garage. C'est quoi ça ?
J'espère que c'est un mannequin. C'est un mannequin. Mais au moins je serais pas rassuré à sa place. On va vite dégager la porte. Merci mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Je veux juste un câlin. Viens ici. Ça va mieux? Ok. Faut que je m'y remette, mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? T'appellerais pour le dîner. Oui, il faut déjà que je trouve la porte. Jody, où est-ce que tu vas? Le jardin est de l'autre côté, chaton. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Là, il y a des maisons. Moi, j'ai c'est les voisins. En jardin, je m'en c'est derrière l'entrée. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Aiden? Toi, t'as jamais froid. Comment on marche? Tu veux bien me pousser, Aiden? Je ne comprends pas, il faut que je fasse quoi, s'il vous plaît? Hé, t'as entendu ça? Ça venait de la rue.
crois que je sais comment je trouve un ami. Je peux te dire que tu vas me payer. Ouais, prends ça. Je sais, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer 5 minutes et on revient. Maman le saura même pas. Bonne idée. Tu pourrais au moins me donner un coup de main, Aiden. Faut savoir, un coup tu m'aimes pas, un coup... Je vous jure, je sais plus comment on fait. Oh, voilà. Aiden, t'es le meilleur. Hé, hey, Jody, tu veux jouer avec nous? Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir. Vas-y. J'ai visé. Hey, attendez-moi. Aïe. Waouh. Hey, ça c'est de la triche. Aïe. Hey, ça c'est de la triche. Waouh. Tu dois tirer sur qui? Putain, si je vise pas aussi. Cette fois t'es foutu. Je t'ai eu. Non, mais lâche-moi. Non, arrête. Oh, ça c'est trop chiant ça. Il est en train de tuer le con. Ouais, faut s'arrêter là. On s'arrête, on s'arrête. J'aurais dû te buter. Ok, maintenant, maintenant c'est... Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin. J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Je lui ai rien fait du tout, c'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre, il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Je dis non, cette non, là, non. Philippe, non. Un ménage devient méchant. Allez. Pff, celui, il y a pas une action, genre son ressort sans le but, je comprends pas. S'il y a ça, moi je choisis de le buter direct. Alors, on s'en fout. Laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? Dors bien, ma chérie. Va-t'en, je te déteste! C'est ta faute si mes parents m'aiment pas! C'est ta faute, va-t'en! Sois pas si dur avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûr? Tu as vu ce qu'elle peut faire? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est... C'est un monstre. Je t'interdis. Mais t'as vu ce que toi, t'allais faire? Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal, et ça devient dangereux. Pour un monde, Suzanne, qu'est-ce qui m'empêcherait de s'en prendre à nous? Sois pas ridicule, voyons.
Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. C'est pas nos vrais parents. C'est tout. Toujours se mettre face à la lumière, à la fenêtre. Jamais, non, ça y est. Fallait pas faire ce qu'il fallait faire. Oh non. Vous avez vu? Pareil, toujours à la laisser fermée. J'aurais dû faire appel à Eden. Gâteau laissé. Strange. Potage se moquer. Sorti du garage. Attends. Je ne comprends jamais rien. C'est fou, c'est. Donc nous, on est condenseurs, c'est ça, non? Oui, condenseurs. Oui. Bien grandi. C'est Philippe ou... Qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est Philippe, on le tue pas, mais si c'est Philippe... Je t'expliquerai dans la voiture. Enfin non, si c'est Philippe, on le tue pas. Même dans tous les cas, ouais, non, je suis con. La DPA a lancé un programme pour étudier l'autre. L'inframonde. Ils ont créé un condenseur, une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage? Vers le monde d'Aiden? Il y a eu un problème hier soir. Des entités sont passées par la faille et on n'a pas pu éteindre le condenseur. Tout le monde dans le bâtiment a été tué et aucune équipe de secours n'en est revenue. Ils ont demandé ton aide, mais je leur ai dit que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté de la faille. Allez-y. Jody, si tu n'es pas d'accord, il suffit de le dire. Je te ramène. Je suis d'accord. Ça va aller. Je vais le faire.
folie. Tu peux pas l'envoyer à l'intérieur. T'es devenu dingue. Essaie de comprendre. C'est la seule qui soit capable d'arrêter ce massacre. On a des infos sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est la fille. Désolé, je peux pas vous laisser passer. Une fille. Laissez-la. Oh, désolé. C'est elle. Allons-y, c'est bon. Tu crois ? C'est un cauchemar. Mais non, c'est réel. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que ça quoi il ressemble ? Je... Il y a des trucs qui... Je suis un seul. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu dire. Jody. Tout est désactivé. Les entités autour de la faille ne sont pas connectées. Elles viennent du plus bas de là. On ne sait presque rien sur elles pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je sais rien depuis que je suis née. Les dieux de la mort. C'est bon. T'en fais pas, je compte pas mourir aujourd'hui. Et Ryuk et... Renz. On a un peu le Light Yagami, hein. Du coup, le Missa Missa. Je sais pas pour toi, Aiden. Mais moi, j'ai peur. C'est ça le problème, ils expliquent rien. Ça, moi, ce qu'il faut faire. Pas.
au pire. Rediriger l'émanation vers la tête de Judy jusqu'à ce qu'elle ait un flashback. Stylé. Je vois, tu me dis que c'est une caisse qui va buter là. Mon poignet qui a craqué, excusez-moi. Mais non, eux, elles peuvent pas faire leur cerveau. Savoir ce qui les a tués. Non, eux. Et combien il va être debout. C'est un film d'horreur le truc quoi. Hein, mais il est assis. Je ne comprends donc plus rien. On va essayer. D'ouvrir depuis l'autre côté. Je sais. Je le sens moi aussi. Elles sont là. Reste près de moi, ok? Rien à faire. C'est la mafia qu'elle préfère. Ça n'a rien à voir, mais je sais pas, je le mets en tête. Putain, il faut que je fasse quoi. Si j'arrivais à grimper. Oui, bah je vais bien te faire grimper, mais. Putain, je suis con. Trade-end.
C'est si facile avec un Eden. Et long chapitre. Attends, parce que c'est insupportable, c'est... Putain. Putain, je suis en train de balancer ma manette sur la droite là. T'es mort quand même. Vous êtes blessé? Vous pouvez bouger? Je crois que je vais pas mentir. Il doit bien y en avoir un quelque part. Trouve-le, Aiden.
Un extincteur, tu ouvres un extincteur, toi, elle est marrante, elle. Pourquoi faire? Mais j'ai jamais dit d'aller là, pour diabolo. Parce que là, il y a un extincteur. Ça y est, il va pas commencer à me faire chier un extincteur sur lui. Bon, je reviens que j'ai trouvé l'extincteur. Tant de concentration d'énergie, ce qui rend possible l'ouverture d'une brèche temporaire. Genre là, il y avait le feu et lui, il était au calme. Non, là, c'est juste les deux qui, les deux mondes qui sont mélangés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'en sais rien, moi. Enfin. Honnêtement, je commence à m'endormir. Enfin, putain. Hey, moi je veux de l'action. C'est ça le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'on doit faire.
sang, les entités peuvent traverser la matière. Ça les arrêtera désolé, pas. Désolé, je ne peux pas vous laisser. Faut que je fasse un truc. Mmh. Je sais pas, j'étais pas au courant moi. Faut avoir du cardio ouais. Il y a un corps ou un bail comme ça. Je pense. Le condenseur est proche. J'arrive à sentir l'écho de l'autre côté. Il suffit d'y aller tout doucement. On peut peut-être passer sans se faire repérer. Il me faut un passe. Une merde. Zombie quoi. Allez, allez, Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Qu'il y en a un qui ose approcher. Le niveau d'énergie dans le condenseur continue d'augmenter. Il faut à tout prix l'éteindre. Vite! Voyez, on les voit, les entités. Bon, on continuera dans l'épisode prochain. Donc, à position, lui. C'est la fin de cet épisode. De cette vidéo, plutôt. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.